comment ça va? Bah, comment ça va? Là, maintenant, je me sens fatigué et j'ai hâte de rencontrer ce putain d'ouragan Lorenzo là. Globalement, comment ça va sur l'état du monde? Et j'ai envie de te dire que je suis un éternel optimiste, mais que globalement, plus j'apprends à connaître ce monde et moins je le comprends. Et à la fois, plus il m'inquiète, plus il me rassure. Et dans toutes les directions que j'observe, je vois à la fois du très positif comme du très négatif. Et je trouve qu'on vit dans une époque formidable et qui est fascinante, qui est terrifiante. Et j'ai hâte de voir vers où on avance et quel sera l'avenir. Ok, je vais revenir après sur ce que tu viens de dire. Avant d'enchaîner là-dessus, est-ce que tu peux te présenter de manière concise, savoir un peu, nous expliquer un petit peu qui t'es, ton parcours Ben, je suis né en France et j'aime bien les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'elles ne sont pas suffisamment incarnées. Je pense qu'on aurait dû, il faudrait les extrapoler davantage au niveau de la planète. C'est une déformation culturelle, mais je l'assume. Je me sens beaucoup plus citoyen du monde et j'aimerais qu'on aille davantage vers ce mode d'organisation. Et après, sur mon parcours, je voulais être enseignant sportif parce que le sport, c'était ma vie, que j'y prenais beaucoup de plaisir et que j'aime enseigner, j'aime transmettre. Parce que bien souvent, je pense que ceux qui apprennent ont beaucoup plus à nous apprendre que ce que nous, on cherche à leur apprendre. On est sur des savoirs techniques et précis, là où eux, ils nous apprennent des savoir-être, des positionnements. Et puis il nous redonne des leçons qu'on a souvent bien besoin d'entendre et de réapprendre pour mieux les appliquer. Après, j'ai eu un accident d'escalade à 20 ans. Ça a changé ma vie radicalement, ça l'a bouleversée. Et puis j'ai pété trois cervicales, on m'a dit que je ne pouvais plus faire de sport, que je ne pourrais plus porter de sac à dos. Que ma vie telle que je la concevais était terminée, grosso modo, donc j'ai mis du temps à m'en remettre. Je pense que le corps médical n'a pas été attentif, mais en même temps, ils ont tellement de problèmes que je ne peux pas leur en vouloir. Et puis, c'était ma faute, quoi. On s'est engagé en montagne dans un terrain dangereux, on le savait. On voulait profiter des derniers bénéfices d'un diplôme qui changeait. Et puis voilà, je me suis cassé la gueule parce que d'une certaine manière, je voulais aller trop vite, trop haut et de manière trop risquée. Donc ça m'a pris de grandes leçons et je ne sais pas si c'est le destin ou si j'ai eu la chance ou si j'ai su ouvrir les yeux au bon moment. Mais j'ai rencontré la slackline, donc marcher sur un fil, funambulisme, au moment où j'étais parti dans une reconversion pour être prof, mais des écoles, donc très diversifié dans la façon d'aborder le monde et de le rendre concret pour les futures générations. Et puis voilà, ça a changé ma vie, ça a permis de me redresser, de voir loin, de supprimer les douleurs que j'avais au quotidien, de retrouver un sens à ce que c'était que l'éducation. Et puis après, j'ai été poussé vers le sportif de haut niveau et puis le monde du spectacle. Et ça a été vraiment des années génial, là où je pensais que ma vie était terminée. Donc voilà, si ce message, si les gens retiennent ce message de cette vidéo, moi j'aurais transmis le plus beau de ce que j'ai accompli pendant ces 10 dernières années. C'est-à-dire, on peut toujours se relever, on peut toujours regarder loin et tenter d'infléchir sur la direction dans laquelle on va. Et que même si on a un miroir négatif de soi et de ce qui nous entoure, ben, on peut transformer cette vision de la réalité et avancer positivement. Du coup, après toutes ces années, The Elementaire Project, qu'est-ce qui t'a amené à participer à ce projet, même le développer finalement? Et quelle est ta vision long terme? Comment tu t'appropries ce projet-là? Et par rapport à tout ce que tu as introduit tout à l'heure sur les contradictions de l'humanité finalement, quel est le rapport entre toutes ces visions du monde que tu peux avoir et The Elementaire Project? Ça va être une longue histoire. On est là pour ça, hein. Ouais, déjà l'idée que élémentaire, rien que le titre, je trouve que c'est un jeu de mots fabuleux. Parce que
d'une certaine manière, il faut remettre de l'élémentaire. Il faut qu'on retourne à l'école élémentaire. Et se reconnecter à nos natures, quand Marie m'a contacté au tout début, se reconnecter à nos natures, c'était son message. Aujourd'hui, le projet a beaucoup évolué, mais finalement, alors c'est un peu paternaliste de dire ça, mais déterminer qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est de l'ordre du besoin et pas de l'envie. Et voilà. Et puis après, il y a un jeu de mots qu'on n'a pas vu tout de suite, mais elle aimantaire, ce qui est le projet qui vient de Marie, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti ces derniers jours, et que le fait de s'émerveiller devant quelque chose, devant l'aimer, on a envie de le protéger, de s'en soucier et de vivre en symbiose avec. Et ouais, je pense que c'est déterminant pour l'avenir de se dire que, en fait, si on veut tirer le meilleur de l'humain et de notre environnement, il faut chercher la symbiose et pas le parasite, pas la prédation. Et malheureusement, je trouve qu'on est encore trop dans ces comportements-là. Moi, ce que je dirais, c'est trouver l'équilibre. Ensuite, le projet, il a évolué, quoi. Qu'est-ce que c'est élémentaire ? Ça change au quotidien, mais grosso modo, c'est de dire que tout est fondamentalement lié, que tout interagit avec tout, et que le battement d'aile d'un papillon à l'autre bout du monde, ça crée un ouragan. Mais ça peut aussi créer quelque chose de qui fondamentalement va apporter la paix, par exemple, ou la santé au plus grand nombre. Et ces petites choses qu'on pense ridicules au début, ce que Pierre Rabhi appelle le battement de colibri, il faut les faire, il faut s'engager pour les faire, et il faut aller contre ses peurs, contre son autocensure, tous ces trucs-là. Après, la manière dont est construit le projet, pour rentrer dans les détails, on est parti au Groenland sur une intuition qu'il fallait partir, qu'il fallait trouver de l'argent pour assurer la sécurité à bord du bateau, Penvic 6, qu'on est tous dans le même bateau et que certains se connaissent, certains ne se connaissent pas, et il va falloir qu'on s'adapte à des conditions qu'on ne connaît pas. Donc on est parti à 5 funambules, 5 marins, dans la volonté d'apprendre les uns des autres, dans des environnements qui sont hostiles, la peur du vide ou la mer, et qui sont extrêmement bénéfiques en termes de ce qu'on peut en tirer d'apprentissage. Pendant 3 semaines, on est allé au Groenland, on a appris à naviguer, en tout cas un petit peu, et puis après on a mis le cul dans le vide des marins, et puis eux aussi ils ont appris. Bien sûr, on l'a fait en sécurité, et eux aussi. En tout cas, on peut le penser, et jusqu'ici tout va bien, quoi. Ça s'est bien passé. Donc on s'est donné comme thème l'adaptation. À chaque escale, on se donne un thème de réflexion, parfois un mot, parfois une problématique. On embarque des artistes, des sportifs, en fait tout ce qui existe pour faire un monde et pour décloisonner au maximum, parce qu'on pense que la diversité est une vraie richesse. Et qu'une des caractéristiques de l'humanité, c'est de protéger le faible. Et aujourd'hui, ceux qu'on imaginait faibles, ceux que les nazis voulaient exterminer, ceux qui étaient différents, en fait, ils sont une richesse et potentiellement, ils détiennent la clé de ce qui nous sauvera plus tard. Et c'est pareil pour la biodiversité. Si tu veux, elle s'est adaptée de manière, en tout cas, ce que nous dit Darwin, c'est plus ou moins hasardeuse, voire carrément due au hasard. Et que ceux qui survivent sont les plus adaptés. Et donc plus on arrive à en survivre, ça veut dire que plus nous on est capable d'adapter les conditions d'environnement pour qu'ils puissent survivre, et plus potentiellement, grâce à cette survie, on sous-tend notre survie plus tard, voire notre bonheur, voire notre immortalité, par exemple sur les fameuses méduses là, qui régénèrent leurs cellules en sens inverse. Enfin bref, ouais, l'adaptation c'est un thème extra large, quoi. C'est à la fois à l'échelle individuelle, à la fois à l'échelle collective, et je pense que c'est le maître mot de notre survie. Donc c'est pour ça que c'était la première étape, et aussi parce qu'on ne connaît rien et on s'engage dans un projet qui est complexe, où on doit gérer des problématiques financières, des problématiques d'organisation, des problématiques humaines, et qu'on va au Groenland, dans une région inconnue, avec à la rencontre d'une population qui a des problématiques qui sont hyper violente, quoi. C'est eux qui ont le plus haut taux de suicide au monde, qui ont des problématiques d'obésité,
Bref, qui rentre parfaitement dans les changements climatiques. Bref, du coup, le Groenland, c'était une super première étape. Ça nous a appris plein de choses. Et je pense qu'on a su faire face aux difficultés. On est rentrés tous entiers. Et voilà. Et du coup, le projet à ce moment-là, il apporte en fait finalement une forme de constat, une forme de qu'est-ce qu'il apporte concrètement lorsqu'il y a cette étape-là, par exemple au Groenland ou aujourd'hui aux Açores. L'objectif final est d'apporter une réflexion sur une région du monde ou sur une problématique liée à l'humanité. Mais finalement, qu'est-ce que ça apporte? Quel est le rendu final, si tu veux, d'une étape, par exemple? Je pose une question, mais que ce soit même en termes de contenu ou en termes de réflexion posée, ou tu vois ma question un petit peu? Ouais. Mais grosso modo, si tu veux, on est parti avec un genre de script, ouais. Et la prod est pas venue. Alors pour des raisons de complexité du changement du monde audiovisuel, et on leur en veut pas pour ça. Mais nous, on a eu besoin de se réorganiser, et du coup, on a fait des actions qui nous semblaient légitimes et qui semblaient adaptées à la situation. En allant à la rencontre des gens, on s'est rendu compte qu'il manquait de lien social et de joie de vivre d'une certaine manière. Et nous, nos armes qu'on avait à ce moment-là, c'était la musique et le cirque. Et ce qui nous a plu, si tu veux, c'est que les gamins venaient tous les jours au bateau, que les gens venaient spontanément nous offrir de la nourriture, que l'eau était gratuite et qu'il y avait une connexion qui se faisait au-delà de la parole. Et ce qu'on pouvait leur offrir de mieux, c'est apprendre à connaître leur culture, s'en inspirer et leur offrir des spectacles. C'est ce qu'on a fait. Et on leur a laissé du matériel d'ailleurs sur place parce qu'on pensait que c'était la meilleure des choses à faire. Après, vu qu'on a des productions, nous, audiovisuelles, de podcasts, des écrits, qu'on fait des campagnes de communication, on estime qu'on peut avoir un impact sur place, on peut avoir un impact dans la sensibilisation. C'est d'ailleurs pour ça que l'association existe, élémentaire. On est une association d'intérêt général et dont la vocation est la sensibilisation. Mais je pense vraiment que sensibiliser, ça ne suffit pas. Et c'est aussi pour ça, avec Marie, qu'on a réfléchi sur comment est-ce qu'on pouvait agir, au-delà du concret sur du local, comment est-ce qu'on pouvait agir sur la planète, et pour le plus grand nombre, pour l'intérêt commun. Et on ne va pas réinventer le monde, quoi. On est cinq, on sait qu'il y a des organismes de réflexion, des think tanks qui ont des réflexions poussées sur le monde, qu'il y a des organismes scientifiques, qu'il y a des collectifs politiques qui sont déjà organisés, des ONG, des entreprises. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, pour faire simple. Donc, autant regarder ce qui nous intéresse, ce qui nous trouve pertinent, ce qui nous semble pertinent, et qu'est-ce qu'on veut promouvoir. Bon, quand on lit Jared Diamond, il nous dit il y a quatre dangers dans le très rapide auquel on est confronté. Il y a les enjeux nucléaires, il y a les enjeux de lutte sur les ressources, les problématiques environnementales, et les inégalités, merci. Donc, on trouve que son analyse, elle est très pertinente. Et du coup, on s'est déterminé quatre objectifs. Déjà, c'est mettre en lumière les grands enjeux de l'humanité. Parce que pour savoir contre quoi il faut lutter et comment il faut lutter, il faut d'abord identifier le problème. Donc, mettre en lumière les grands enjeux de l'humanité. Se reconnecter à nos natures, parce que c'est le message de Marie au départ, et que on estime que pour protéger l'environnement et le transformer pour qu'on soit en symbiose, il faut qu'on se reconnecte à nous-mêmes, à nos natures, pas à la nature, mais à nos natures. Après, on peut différencier nature et culture, mais ça reste un autre débat et pour moi, ça reste lié. Ensuite, le troisième objectif, ça serait s'intégrer ou créer un réseau de valeurs. Et c'est important, c'est à la fois un réseau de valeurs sur ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses, mais aussi économique, parce qu'on sait très bien que si on n'a pas d'argent, de moyens financiers, aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose, c'est compliqué. Et le dernier objectif, j'ai un trou parce que je suis fatigué. Marie, tu peux m'aider? Ah oui, si, ça y est, je sais. C'est élaborer un mieux-être commun. Et encore une fois, on est sur l'échelle individuelle et l'échelle collective.
Et élaborer un mieux-être commun, c'est mélanger la définition de l'OMC, qui est la santé, donc l'état complet de bien-être physique, psychologique et mental, avec le bien commun à l'intérêt général. Donc qu'est-ce qui conditionne nos façons de fonctionner, nos survies, notre bonheur à l'échelle collective. Donc tout le temps, c'est jongler entre l'échelle individuelle et collective. Et ces objectifs, donc on se les donne au sein du bateau et on essaie de les promouvoir comme vecteur de transformation, de changement de paradigme à l'échelle collective. Et donc on y a associé quatre autres projets qu'on estime être essentiels et fondamentaux pour la suite. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les présenter. Commençons par l'océan, parce que justement on est sur le rapport du GIEC. Le premier, c'est Océan as Common. Donc c'est grosso modo dire la législation internationale, elle permet des aberrations, le fait de rejeter des gaz, le fait d'exploiter des ressources. Et l'océan, c'est une respiration sur deux, c'est l'océan. Toute la construction qu'on fait aujourd'hui, le sable, c'est l'océan. Notre nourriture, c'est l'océan. Enfin bref, l'océan, c'est pas 50% de nos survies, c'est peut-être davantage. Enfin bref, du coup, c'est un bien commun, ça conditionne notre survie et il faut le protéger. Il faut déterminer des règles et des normes et se donner les moyens de pouvoir les suivre et des critères d'évaluation. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment sur les discussions à l'ONU, ça inquiète, mais par ailleurs, il y a aussi d'autres choses qui nous rassurent. Le deuxième objectif, le deuxième projet plutôt, c'est un projet c'est eux qui nous ont contactés, ça nous a fait très plaisir parce que ça valorise déjà le travail qu'on a fait, c'est le GIECO. Donc c'est l'équivalent du GIEC ou de l'IBBC pour la biodiversité, mais sur le comportement. Donc c'est un groupe d'experts interdisciplinaires qui a vocation à être piloté par l'ONU et qui regroupe des juristes, des économistes, des neurologues, bref, toutes les sciences molles et tout ce qui fait que qui structure finalement nos sociétés sans qu'on s'en rende compte. Et les lois de l'économie, les lois juridiques, tout ce qui fait, tout ce qui a l'air de nous piloter, les hormones ou les structures sociales, tout ça en fait c'est modifiable. Tout est modifiable. Et je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions et ce genre d'organismes qui synthétisent, ils peuvent déjà se poser la première question, c'est comment ça se fait qu'on soit au courant depuis des années, depuis le rapport Meadows et même avant, pour le changement climatique et qu'on n'arrive pas à mettre en place les putains de changements dont on a besoin. Ça va être ma prochaine question, mais vas-y. Ouais, on y revient après. Ouais, je l'ai. Du coup, je finis de présenter les objectifs. Le troisième objectif, c'est un projet utopique qui est très difficile à mettre en place, mais je pense qu'il peut changer vraiment la donne. C'est justement un pays qui est basé sur des valeurs et pas sur des frontières. C'est un pays virtuel. C'est un pays qui n'a pas besoin d'entretenir des routes ou des hôpitaux, mais qui a vocation politique d'apporter la paix, de lutter contre les grands enjeux qui nous menacent, et qui s'appelle The Good Country. C'est un pays pour en être citoyen, on paye 5$ d'impôts, et c'est des impôts, et on peut surtout payer ces impôts pour les gens qui n'ont pas les moyens de le faire, qui ont les mêmes valeurs et qui peuvent s'engager. Et c'est pas parce qu'on paye des impôts qu'on va devoir s'engager en tant que citoyen, et on peut le faire sans payer des impôts. Ce groupe estime que d'ici quelques années, on aura 750 millions de personnes dans ce groupe, et donc on sera un grand État et qu'on pourra infléchir sur à la fois par l'action politique, mais aussi par la carte bancaire. Et ça, c'est les deux moyens d'action concrets qu'on a en tant qu'individu, en tout cas de ce que je comprends du monde, pour changer le monde. Et le quatrième projet, c'est le pacte finance-climat. Donc là, c'est l'Union européenne. On sait qu'il existe plusieurs méthodes pour financer les transitions climatiques, les transitions environnementales plus que climatiques. Nous, on a choisi celui-là parce qu'on pense que c'est le plus abouti. Il y en a d'autres, mais dans tous les cas, il faut financer la transition. Elle n'est pas du tout assez financée. Et le pacte finance climat est une des solutions. Et j'espère qu'on en verra le jour très bientôt.
Ok, donc du coup, tout ça, je vais me faire un peu, je vais pas dire l'avocat du diable, mais ça pourrait être presque ça. Mais finalement, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est, en tout cas qui me semble aujourd'hui un peu d'actualité, c'est, il y a plein d'actions qui se déroulent, à plus ou moins grande échelle, mais finalement, est-ce que ça va être ces actions-là qui vont faire changer la direction qu'on est en train de prendre, ou est-ce que ça va être, on va être obligé d'arriver à un stade plus vivable, où finalement, on va devoir capituler d'une certaine manière, pour pouvoir vraiment changer les choses, changer notre façon de faire et d'agir collectivement pour faire quelque chose d'autre de ce qu'on est en train de faire avec la planète. Parce que je sais plus, on a eu un des ambassadeurs qui le disait très bien, que finalement, nos actions ne servent pas à protéger la planète. La planète va survivre après nous, mais elles servent juste à protéger les conditions les conditions pour qu'on puisse vivre finalement sur Terre. Et la question que j'aimerais te poser, c'est finalement, c'est pour ça que ça vient dans la suite logique de la question que je t'ai posée juste avant sur Élémentaire, c'est est-ce que des projets comme Élémentaire ou tous les projets que tu as décrits juste avant vont faire infléchir la direction qu'on est en train de prendre, ou est-ce que on va être obligé d'aller droit dans le mur pour changer de direction? Ouf. Et écoute, j'ai envie de te dire, j'aimerais bien avoir la réponse. Mais si j'avais la réponse, à quoi ça me servirait de vivre? À quoi ça me servirait d'explorer? Je pense que ça se joue à différents niveaux. Enfin, si, il faut agréger des individus pour faire des collectifs, pour faire des transformations. Ça, c'est sûr. Dans le même temps, il y a d'autres forces, avec d'autres visions du monde, qui s'agrègent. Qui va gagner au final? J'en sais rien. Mais si tu veux, il y a des luttes qui ont lieu depuis des millénaires, qui sont des enjeux de pouvoir, des enjeux idéologiques, et il y a des renversements qui sont à travers le temps, quoi, des basculements. Moi, ce pourquoi j'ai envie de m'engager, c'est la vision du monde que j'ai décrit avant. Et je suis prêt à aller loin pour ça. Je suis prêt à aller loin pour ça. Parce que si tu veux, dans mon métier de funambule, un des axes, c'est de relier les gens qui n'ont déjà de relier les objets qui n'ont pas vocation à être reliés, deux pics montagneux, deux arbres, et de créer un chemin entre les deux. Bon, ce que j'imagine, c'est le faire à l'échelle des individus maintenant. Et de par mon métier, de ce que j'ai fait avant, donc j'ai marché sur des fils à grande hauteur, sans sécurité. Et à un moment donné, j'étais tellement relâché dans cette situation que j'estimais confortable et qui, pour la plupart des gens, paraît irréalisable. J'étais suffisamment confiant pour me dire, je vais fermer les yeux. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mettez-vous sur un pied, fermez les yeux et vous comprendrez pourquoi c'est beaucoup plus difficile. Mais du coup, ce qui m'a éclaté au visage, c'est que d'une certaine manière, j'étais suffisamment détendu pour me dire, là, tu peux crever et tu en auras vu suffisamment. Sauf que, en fait, non, ça n'a pas duré longtemps. Et j'ai envie d'aller voir plus loin. Et surtout, maintenant, j'ai l'impression de savoir jusqu'où je suis prêt à risquer ma vie, parce que j'ai l'impression d'avoir identifié très finement cette limite. Et surtout, quel chemin j'ai envie de prendre pour avoir cette transformation. Et cette métaphore de on marche en équilibre au-dessus du vide avec les yeux fermés, bah, j'ai l'impression qu'on est là-dedans, en tant qu'humanité, en tant qu'individu, qu'on explore, qu'on cherche la vérité. Et pour reprendre ce que tu me disais avant sur est-ce que c'est pas les autres qui vont gagner, il y a une phrase qui tourne en boucle dans ma tête et je ne sais même pas qui c'est qui l'a dit. Il va falloir que je me renseigne pour avoir les références intellectuelles. C'est la seule vérité est que la vérité est un enjeu de lutte. Autrement dit, on pourrait dire répète 1000 fois un mensonge et il devient une vérité. Et dans le contexte dans lequel on vit, mais même à l'époque de Platon ou de Socrate avec la métaphore de la grotte, on avait déjà ces trucs-là, avec les religions, avec les cosmogonies. Et grosso modo, c'est de dire, on peut pas tout justifier scientifiquement. La recherche et la rationalité et toutes les dimensions qu'on cherchait à explorer les scientifiques, on peut pas tout justifier. Il y a des trucs qui nous poussent, qui viennent à l'intérieur de nous,
qu'il faut explorer. Et c'est aussi, moi, la dimension que j'ai cherché à faire sur ce fil. C'est-à-dire, je vois ce qui m'entoure. J'ai pris de la hauteur, des perspectives. Je suis allé chercher des trucs. Je suis allé rencontrer des gens qui étaient à mille lieues de ce que je pensais. Et au final, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur et vers quoi je veux m'engager? Ta métaphore du solo blind, justement, du fait de traverser les yeux fermés, m'a fait penser à tu sais, quand tu as dit « j'ai l'impression d'avoir, entre guillemets, tout vu, je peux mourir là au pire », ça me fait penser à, finalement, en tout cas, des phrases qui ressortent en tout cas assez souvent, en tout cas dans mon entourage, qui laissent penser que de toute façon, tout est perdu. On a autant vivre à 100% ce qu'on fait, je veux dire, d'une certaine manière, autant voir les choses à fond. Et puis voilà, on aura vu un maximum et puis tant pis, quoi. D'une certaine manière, une forme de résilience, mais est-ce qu'on n'est pas... est-ce que la masse, en tout cas, n'est pas vouée à arriver à ce stade-là psychologique? Est-ce qu'on va réussir à passer du stade de résilience au stade d'action? Parce que c'était Nicolas Hulot qui le disait, on est dans un problème qui est de plus en plus complexe. Est-ce que cette complexité, elle va pas submerger les gens et dire que en fait le problème est beaucoup trop intriqué, donc on va pas pouvoir le résoudre, donc autant autant y aller, quoi. Et parce que c'est ce que, en tout cas moi, ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de la slack et du blind. Donc qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pas forcément besoin de dérouler un développement, mais tu penses qu'on va, enfin, tu vois, est-ce qu'on va pas vers ça finalement? Ben ouais, il y a beaucoup de choses dans ta question, et à chaque fois ça me fait partir dans des directions différentes. Bien sûr, c'est le but. Ouais, sans vouloir faire de la démagogie, et c'est ma déformation professionnelle, je suis funambule et je cherche l'équilibre. Et je suis autant fasciné, si tu veux, par les transhumanistes que les collapsologues. T'as dit que t'étais optimiste aussi au début de l'interview. Exactement. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans ces deux champs de pensée, il y a énormément d'optimistes. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'il va y avoir une croissance infinie, un progrès infini, et que de toute façon, c'est ce qu'on observe de l'univers. Je suis pas sûr qu'ils le disent comme ça, mais on est dans une croissance accélérée, et tout s'éloigne de plus en plus, et on est dans une forme d'entropie. Et là, ça rejoint les collapsologues. Et c'est-à-dire, pour moi, il y a un lien systématique dans tout ce qu'on fait, puisque l'être humain est fait comme ça, finalement. Le cerveau fait des associations. Et moi, ce que j'ai envie d'espérer, c'est que l'humanité, ou les humanités, survivent le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions, et dans les meilleures conditions avec ce qu'on estime exister du vivant. Et les rencontres avec les astronautes à bord, elles poursuivent cet ordre d'idée, si tu veux. C'est que, pour l'instant, le paradoxe de Fermi, il n'est pas résolu, que la seule vie qu'on observe dans l'univers, elle est sur Terre. Je pense que la planète Terre est le berceau de l'humanité, mais que, pour l'instant, on n'a pas de plan B. On n'a pas de plan B. On imagine qu'on en a. On a des solutions potentielles pour dire qu'on en a, mais elles ne sont pas efficaces et elles ne sont pas réalisables pour l'instant. Mais si on ne va pas les chercher, on ne les trouvera jamais. Et les collapsologues, si tu veux, ça serait d'une certaine manière les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que à partir de projections et de consensus scientifique, ils nous disent « attention, ça c'est le danger ». C'est le vrai danger, quoi. C'est-à-dire les plus 7 degrés en 2100, l'effondrement de la biodiversité, la recomposition, quoi. Et comme tu dis, la planète, elle s'en fout. Elle n'a pas besoin de l'humain. Et au final, peut-être que les suivants, c'est les fourmis, c'est les calamars, ou peut-être qu'on est une parenthèse et que la vie, elle s'est développée ailleurs et dans des conditions bien plus intéressantes. Tu parlais de la complexité du vivant, et je vais rebondir là-dessus, parce que... il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, ça c'est Nick Bostrom qui dit ça, où il envisage, avant Matrix, les simulations. Et au final, le rapport Meadows, c'est une simulation des grandes constantes qui dirigent nos civilisations. Et comment faire pour changer les courbes dans un monde fini? Sauf que si on accepte
que les transhumanistes ont raison et qu'on va vers un monde de plus en plus complexe, il va falloir qu'on trouve des nouvelles méthodes d'éducation, des nouvelles manières de transférer des compétences, et autant pour des compétences simples, comme, je ne sais pas, piloter un vaisseau spatial. Bon, on pourrait dire, on donne à l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin de l'apprendre, mais je ne sais pas, moi, faire un bœuf bourguignon, bon, bah, on te donne la recette, et puis avec un casque, et tu sais faire. Sauf que, il y a des leçons qu'on... Ça, c'est les bouddhistes qui le disent. Il nous faut des vies entières pour les apprendre et pour évoluer vers un karma supérieur, je ne sais pas comment ils disent exactement. Mais... Et du coup, le fait de se plonger dans des simulations pour apprendre ces leçons-là, dont on a besoin de plusieurs vies, dont on a besoin de se confronter à la recherche comme Marie Curie et de se rendre compte que ce qui va profiter au plus grand nombre va nous détruire, ça nous apprend des leçons où quand t'es petit à l'école, on te dit tu verras, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et puis on l'apprend, on comprend 20 ans plus tard. Quoi. Et du coup, les simulations comme vecteur d'éducation et comme possibilité de vivre plusieurs vies, et quand on dit ça, c'est pas sur des échelles de temps longues. Hein. Quand on observe ce que c'est qu'un rêve, c'est quelques secondes. Et en quelques secondes, parfois, on est sur des échelles de temps qui sont... C'est la relativité d'Einstein. Et, ouais, c'est très lointain, mais peut-être qu'en fait, on est déjà dedans. Et d'une certaine manière, j'espère qu'on est déjà dedans, ça voudrait dire qu'on a passé déjà les grands filtres qui potentiellement nous détruisent. Ah, ça donne envie de rebondir sur la question finale, mais... Ah, ça me paraît logique dans le déroulement de ce que tu as dit, c'est-à-dire, finalement, est-ce que l'exploration est-elle vectrice de progrès ? Parce que tu parles de simulation, etc. Du coup, finalement, les simulations sont une forme d'exploration, mais de l'esprit, justement. Ça réouvre sur d'autres choses qu'on a pu entendre. Du coup, j'ai envie de te poser la question, l'exploration est-elle vectrice de progrès ? Déjà, je pense qu'en fait, on n'a pas le choix. Genre, on va explorer, quoi. C'est comme si c'était inné, enfin... Mais si on n'a plus les moyens de le faire un jour ? Je veux dire, si on a trop de contraintes énergétiques, par exemple. Alors, je pense que c'est inné, c'est-à-dire que... Et que c'est le chemin de l'évolution. On se redresse pour voir plus loin. Sur les épaules de géants, on voit plus loin. Sur les épaules de Darwin, blablabla. Je pense que même si on est dans un monde complètement détruit, où il fait trop chaud pour qu'on puisse manger, on va aller s'abriter dans des grottes, par exemple. On va aller explorer ou réexplorer des possibles pour survivre, parce que ça aussi c'est inné, quoi. La survie, la reproduction, continuer, c'est la dimension du progrès, quoi. Le progrès, c'est avancer, coûte que coûte. Ça a été conditionné par notre culture que c'est une croissance, c'est quelque chose de mieux, de toujours mieux. Et ça aussi, finalement, c'est impulsé par nos fonctionnements hormonaux et par le fait de vouloir toujours plus. On ne se satisfait pas de ce qu'on a et on veut toujours aller voir l'herbe plus verte. Moi, je pense concrètement que l'exploration est vectrice de progrès, no matter what. Mais même dans nos mythes, on a des lanceurs d'alerte. On a Prométhée, on a Faust, on a la boîte de Pandore, qui nous disent attention, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, qui nous disent la curiosité est un vilain défaut, qui sont des lumières. Et de la même manière que quand je marche sur un fil, j'ai un protocole de sécurité qui me dit « Ah, là, tu vas te mettre en danger, n'y va pas, c'est trop. » Ou « Il peut y avoir un crocodile dans la grotte, quoi. » J'en sais rien. Toute la question que j'ai envie de me poser, c'est comment on transfère cette intuition individuelle à l'échelle d'une société.
pour l'instant, on peut se dire jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais j'ai quand même l'impression que nos structures de décision, nos structures pour transformer les sociétés, elles ne sont pas du tout adaptées aux enjeux auxquels on fait face. L'exploration, c'est bien, mais qu'à un moment donné, il faut consolider et il faut être capable, non pas de s'adapter, mais de transformer et de transformer vite. Et pour ça, il faut être agile et les entreprises permettent ça d'une certaine manière. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas de contraintes suffisantes pour pouvoir protéger et envelopper ce qu'il faudrait protéger. Donc il y a quelques pistes qui amènent vers ça. Je pense que le plus grand progrès qu'on ait à faire, effectivement, c'est d'apprendre à se parler et puis effectivement de définir un but, de définir un comment et ensuite de mettre les moyens et de ne pas transiger. C'est-à-dire avoir des systèmes de punition et des tribunaux internationaux qui jugent des crimes contre l'humanité. Et je pense qu'on en est là. On n'est pas que sur des guerres. Parce que, en fait, c'est comme si, d'une certaine manière, à trop vouloir fermer les yeux, on allait vers le suicide. Et à la limite, j'aime beaucoup aussi cette phrase qui dit on n'hérite pas de la terre, mais on l'emprunte à nos enfants. Bah, ils ont du souci à se faire pour l'instant, quoi. D'ailleurs, ils nous le font bien sentir et on se moque bien d'eux, alors que c'est... La science est d'accord depuis des années sur le constat et même sur certains moyens. Et pour moi, la géo-ingénierie, on n'en est pas là, quoi. Ça, c'est des modèles qu'on doit tester sur d'autres planètes. Si on n'est pas capable de consolider nos racines et de vivre en symbiose, on va droit à notre perte. Et j'ai pas envie de, même si j'ai très envie d'aller vers Mars et d'aller explorer justement ce truc qui me pousse, mettre le pied sur une autre planète, c'est... Ça doit être quelque chose d'incroyable, au-delà de la quitter, de la voir de l'espace, d'être sûr qu'elle est ronde. Mais putain, j'ai pas envie de vivre dans un monde aseptisé tu vois quoi. Et puis, déjà parce que de ce monde aseptisé naît les pires maladies dans les hôpitaux où tout est. Enfin, on a besoin de se confronter à la complexité la plus large possible, à ne pas dénier cette complexité, même si pour des aspects de sensibilisation, de décision, il faut à un moment donné simplifier. Fred Bill, il disait réduire la voilure, mais je pense que c'est plutôt le changement de direction et l'adaptation de la voilure. Et puis s'accorder tous ensemble, l'équipage, sur quelle est la direction, quels sont les moyens, quelle toile on met, et ensuite... comment on fait et qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver, quoi. Si on est capable de faire ça à l'échelle collective, on n'a pas de souci à se faire. Et jusqu'ici, tout s'est bien passé. Et de toute façon, on est conditionné à avancer vers l'avenir et à voir si c'est une boucle ou si c'est une ligne, quitte à ce qu'elle s'arrête. Et encore une fois, Je suis optimiste parce que c'est peut-être un optimiste de façade et de situationnel, disons. Mais je pense que si on n'a pas cette fibre optimiste et utopiste, tout en imaginant les catastrophes possibles, justement on est fataliste et on dit c'est le destin. Et on se retire notre libre arbitre et il y a déjà tellement d'indices qui nous laissent à penser que on n'est pas sûr de l'avoir, mais qu'il y a des grandes chances qu'on le perde. Optimiste. Parce que c'est pour moi, c'est la condition de l'exploration, c'est la condition de la vie. Et que s'il n'y a pas d'optimisme, pas de curiosité, je suis mort. Si j'apprends rien, je suis mort. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et la recherche de sens, c'est l'exploration. Vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers le mieux-être. Voilà. Et puis on a tous notre rôle à jouer et il ne faut pas rester spectateur, quoi. Donc on va s'arrêter là, c'est le bon moment. Éteignez votre écran, écoutez les podcasts parce que ça consomme moins d'énergie. Et tous les petits trucs qu'on peut faire, c'est bien.
mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un vrai changement de paradigme, de nos structures. Et sinon on va vers soit un effondrement massif, soit des petits effondrements, soit la guerre froide et la guerre économique. On est déjà dedans. Hein. Message positif de fin. Action. Je te pose les dernières questions médias. Ouais, si tu veux. Quel est votre rapport à la mer? Ma mère avait très peur du vide. Donc je me suis tourné vers elle. Ouais. Le rapport à la mer, je crois que le premier truc, c'est que c'est quelque chose de terrifiant. C'est quelque chose de surpuissant. Et c'est un rapport qui a vraiment évolué avec le temps. Mais quand on s'est retrouvé là pour aller au Groenland, à regarder, il y avait 3 km de fond. Moi, c'est insondable, quoi. Je me dis, il y a n'importe quoi qui peut surgir et me bouffer. Et c'est terrifiant. Ça fait très peur. Mais c'est aussi... C'est un espace de liberté complètement hallucinant. Et d'ailleurs, on le voit sur nos règlements internationaux. Voilà. Donc, parce que c'est de la liberté, j'ai envie d'aller voir. Et d'être avec des gens, en plus, avec qui je me sens bien sur un bateau mythique. Mais c'était pas la question. Est-ce que ton rapport à la mer a changé Ben ouais, il a clairement changé. Déjà parce que c'est des thématiques auxquelles j'étais pas suffisamment sensibilisé. Le plancton, puis la rencontre rien que la rencontre avec la baleinière, c'est complètement dingue, quoi. Mais ma relation au temps a changé, la temporalité. Le fait de d'avoir une responsabilité sur l'écart, ce qu'on appelle l'écart, donc prendre la responsabilité de ce sur quoi on est et de dire je serai disponible parce qu'on n'a pas le choix et qu'on organise une rotation et que cette responsabilité, elle est là, elle conditionne notre bien-être et notre survie à bord. Et je pense que d'une certaine manière, on est capable de le faire aujourd'hui, justement avec Internet. Et avec les différentes temporalités qu'on a mis en place avec les méridiens. Et il faut qu'on se serve de ça d'ailleurs, comme étant une arme pour avancer plus vite sur les thématiques, parce que c'est une certaine forme de hacking des temporalités pour aller plus vite. Là où on dit on manque de temps, on n'a pas le temps, en fait si, c'est juste une organisation différente qu'il faut qu'on mette en place. Et voilà, donc ça a changé mon rapport à la mer, mais pas qu'à la mer, à ce qui nous entoure et aux enjeux de demain. Et c'est vraiment pour ça aussi qu'on a transformé Élémentaire en tant que think tank flottant, parce que quand t'as de la fatigue, quand t'as une responsabilité des gens qui t'entourent, et c'est une métaphore fabuleuse des enjeux auxquels on est confrontés, oui, ça change les rapports à la mer, et les rapports à nous-mêmes, et les rapports aux autres, et je pense que c'est indispensable, et que tout le monde devrait pouvoir le vivre. Et d'ailleurs, les bateaux, ils sont utilisés 0,3% du temps. Donc qu'est-ce qu'ils foutent à quai, putain? Qu'est-ce qu'ils foutent à quai? À quoi ça sert d'avoir autant de bateaux? À rien. Utilisons-les, quoi. Changez votre rapport à la mer avec Élémentaire.